Good morgen, Ali Iden, les tueurs aujourd'hui, le Nishmat, Molder, Bishmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Betran Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet, Menachot, Perek, Gimel, Mishnabet, Lo Yatsak, Lo Balal, Lo Patat, Lo Malach, Lo Henif, Lo Hegish, O Shepitetan, Pitim, Merubot, Velo Meshachan, Sherot. נתערב קומצה בקומץ חברתה, במנחת כהנים, במנחת כהן המשיח, במנחת נסחים, כשרה. רבי יהודה אומר, במנחת כהן המשיח ובמנחת נסחים פסולה, שזו בלילתה אהבה, וזו בלילתה רכה, והן בולעות זו מזו. Deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, la première partie va être de mentionner toutes les étapes des menachot, des oblations de semoule, ou plus même, comme on va voir qu'il y a des petits pains aussi. Et la Mishnah ne va pas en fait nous présenter les différentes opérations à faire, mais plutôt va me dire que s'il ne les a pas réalisées, mais qu'il a mélangé en vrac la semoule avec l'huile, par exemple, sans saler, tout ça, comme on verra, alors la Mishnah va me dire, ben, malgré tout, a posteriori, la mincha sera validée si toutefois il a pris le comète, s'il l'a jeté au feu comme il se doit. D'accord, ça va être la première partie. La deuxième partie, on la verra ensuite. On commence tout de suite à traduire, justement. Lo yatsak. S'il n'a pas versé l'huile. Lo balal. Ou encore, s'il n'a pas pétri l'huile. Et on va expliquer, bien sûr, tout de suite c'est quoi. Mais d'abord, je finis de traduire la première série. Lo patate, c'est qu'il ne l'a pas... Il n'a pas fait des patates. Non, c'est pas le mot. Lo patate, c'est qu'il n'a pas fait des petits timbres. Le mot pâte en hébreu. Ça veut dire un pain. L'eau patate, c'est qu'il a transformé en petite miche de pain, petit bout de pain. L'eau malach, il n'a pas mis le sel. L'eau hénif, il ne l'a pas balancé dans les directions, les quatre directions en avant et en arrière, en haut et en bas. L'eau hégish, il ne l'a pas présenté devant le misbéach. Ou encore, o shepetatan pitim merubot. Ou encore, qu'il en a fait des morceaux grands, beaucoup gros. On va expliquer tout de suite qu'il y a deux interprétations sur ça. Velo Meshachan encore, il les a pas enduits d'huile ensuite. Kshirot. Dans tous ces cas de figure, la mincha sera kasher. Et on commence à expliquer, là on commence vraiment Menachot à comprendre comment elle était la mincha. Je pense que ça va en parler plus loin dans plus de détails. De manière générale, vous verrez dans Vaikra, je crois que c'est Perikbet ou Gimel, c'est mentionné ici Perikbet, là-bas la Torah elle expose plusieurs types de Menachot. On peut apporter de la semoule avec de l'huile uniquement et les mélanger. Et un procédé comment faire? En l'occurrence, ça va être les deux premiers mots de la Mishnah. On va d'abord verser, tout d'abord, il y a des quantités bien fixées. Un isaron pour un log shemen. Ouais, revi, tahain, le hin, c'est le... On va pas trop en dire trop d'un coup. Pour le moment, un isaron pour un log shemen. Un isaron. C'est une mesure. Isaron, c'est le dixième d'une EFA. Si vous vous souvenez du Escalav Gudo, EFA, c'est Akavlog Beita, et les coefficients entre eux, Gudo, Gimel, Vav, Dalet, Vav, 3, 6, 4, 6. Donc en fait, on va se retrouver avec la EFA. Si je convertir la EFA en log, EFA, c'est Akavlog. Donc la EFA en log, on a ici Gimel, Vav, Dalet. Ça veut dire 6, 3 fois 6 fois 4. Ça fait 72, ça fait 3, 18, 18, 36, 72, d'accord. Vous prenez un sixième, ça fait 7,2 log pour une dose d'huile. Comment est-ce qu'on fait pour faire une mincha de solette? On va commencer d'abord avec le cas le plus simple. Mincha de solette, c'est une mincha, une oblation de semoule, on ne va pas faire cuire au four. On prend la moitié de l'huile, on commence, on verse l'huile tout d'abord dans l'ustensile. On verse sur ça la semoule, on ébolèle, on pétrit, on la mélange, et puis après on rajoute ensuite la deuxième partie de l'huile, d'accord? Et comme ça, on doit faire la mincha tsolet. Après, selon le cas, alors il est possible qu'il va falloir ensuite en faire, si je veux amener une mincha pitim, une mincha de petits pains, pitim, il a chaîne pâte, en faire des petits pains. Alors cette fois-ci, maintenant, il va falloir les faire d'une certaine manière, les faire cuire, et ensuite on va les récupérer après cuisson, et on va devoir, le Kohen va devoir les couper en quatre. Il va les plier, j'imagine que ça faisait des sortes de petites pitotes.
Donc, il devait le plier en deux et en quatre, il sectionnait et ça faisait des petits bouts. Et à partir de ces petits bouts, ensuite, il allait remplir son kometz. Ça, c'était pour quand il faisait des minchat pitim. Ensuite, il fallait, une fois qu'il avait pris l'échantillon, il devait saler, mettre du sel dans le kometz et dans la mincha. D'accord ? Et ensuite, l'ohenif. Alors, c'est un peu, il y a un petit problème dans l'ordre, je ne sais pas exactement moi-même comment ça se passe pour le moment. Je n'ai pas commencé à étudier la Gemara de Menachot en Dafayumi, on est encore dans Zahim en fait. Et c'est des vacances, donc c'est encore deux fois plus dur pour moi, mais bon, c'est pas grave, on va tenir le coup. En tout cas, il y a un moment, en tout cas, où il fallait ensuite, je crois que c'était avant de faire la Kmitsa, logiquement, quoi. Il fallait prendre maintenant l'ustensile où se trouve dedans soit la semoule, soit les pitimes, donc les petits pains coupés en morceaux. Il fallait être ménif, balancé. Ouais, c'était une avoda qu'on trouvait fréquemment au Beth Amikdash, où il fallait balancer en avant, en arrière, en haut et en bas. D'accord ? Ça, c'est de faire la tnoufa. Donc, pour la mincha, il faut faire une tnoufa, et là, on parle que la Mishnah, elle ne l'a pas faite. Ensuite, ah ouais, j'ai pas encore commencé à traduire les mots, donc je suis passé un peu trop vite. D'accord ? Pour le moment, il fallait donc balancer. Il fallait ensuite prendre la mincha, la porter au coin, Maharavit Dromit, c'est-à-dire, si vous vous souvenez du souvenir du dessin de Zvachim, on a, si j'ai le Beth Amikdash face à moi, il y a le Misbeach devant lui, le coin qui se trouve ici, là, il y a la rampe ici pour monter, donc qui est au sud, le Kodesh HaKodeshim, il est lui vers l'ouest, on a le nord, c'est l'arrière du Misbeach, la rampe qui se trouve au sud, dans le coin sud-ouest, Drom Maharavit, Maharavit Dromit. Quand on fait le tour avec la Khatat, c'est le dernier coin. Quand on monte sur la rampe, on prend à gauche tout de suite. On se retourne dans la marée d'Hormite. Là, on est en bas de la rampe. On n'est pas du tout monté sur la rampe. On est dans le coin du Misbeach. Il fallait prendre la mincha et la présenter devant le coin. D'accord ? Devant le coin du Misbeach. Et, ou encore, je vous ai dit aussi qu'il fallait couper la mincha en quatre. La Mishnah va évoquer aussi le cas. Qu'est-ce qui se passe si on a coupé plus que ça ou moins que ça ? Ou encore, il y a encore une autre sorte de mincha. Ça, c'est ce qu'on appelle les rekikin, cette fois-ci, rekikin mushukhin bashamen. Il fallait cette fois-ci mettre une partie de l'huile pendant qu'on pétrit la pâte. Je ne sais pas exactement s'il fallait en mettre du tout. En tout cas, il y a quelque chose d'important, c'est qu'une fois qu'on les récupère après que les petits pains sont sortis du four, il fallait là-bas étaler de l'huile. Il y a une marque dans la Gemara, comment le faire. Est-ce qu'il fallait prendre, étaler juste une fois, faire une sorte de croix dessus, enfin, c'est sûr, une croix mais faire un coup en long et en large, ou bien hein, il fallait étaler toute l'huile, prendre l'huile et la réétaler jusqu'à ce que tout le pain il soit sofeg. Ça, c'est ce qu'on appelle de faire la meshicha. Ok ? Voilà les étapes plus ou moins qu'on rencontre en vrac, dans toutes les menachot. Pourquoi en vrac ? Parce que pas toutes les menachot vont avoir ça. Il y a certaines menachot, par exemple, pas toutes les menachot, par exemple, j'ai évoqué, là, le dernier que j'ai évoqué, l'histoire d'étaler l'huile. Ça se retrouve uniquement dans la minchat rikikin. Les petits pains hein, qui s'appellent des rikikin. Mais ça ne va pas se retrouver dans les autres menachot. Parce que dans les autres menachot, on va mélanger l'huile directement depuis le début. Pas après cuisson. Mais pendant le pétrissage. À part ça, on a évoqué le pétrissage, justement. La blila. Pas toutes les menachot. Si ça, oui. Dafka, justement. Non, on a plutôt évoqué le patate. La petite, le fait de couper en petits morceaux. Pas toutes les menachot sont coupées en morceaux, la semoule, il n'y a rien à couper. On a évoqué l'histoire de la tnoufa, le fait de balancer. En réalité, balancer, ça se retrouve uniquement dans certaines menachot qui s'appellent les minchat roté, qui sont soit la mincha qu'on apporte parce qu'on a fait un khatat olev et yored, par exemple on entre au Beth Amikdash tamé, ou encore la mincha de la sota, elle va être elle aussi balancée. Entre parenthèses aussi, dans la sota, eh ben, ou même la sota, ou bien même le khatat ou le veyored, il n'y aura pas non plus d'huile. Loïten allait à Shemen, veloïten allait à Levona, c'est marqué dans le pasouk, qui minchat, je ne sais plus comment c'est dit, en tout cas c'est explicite dans le pasouk, qu'on n'apporte pas pour les minchat rotés, on ne met pas de Levona. Le yitzok allait à Shemen, veloïten allait à Levona, qui minchat, kenaoti, maskeret avon, quelque chose comme ça, c'est écrit dans la parasha de la sota. Tout ce qui est korban de Avera, on ne met pas d'huile, on ne met pas de Levona non plus. D'accord ? Donc en fait, la Mishnah nous a un peu balancé en vrac toutes les différentes étapes qu'on retrouve de manière générale dans toutes les menachot. Et la Mishnah va nous dire maintenant, dans tous les cas, si toutefois
tu as sauté une étape. Malgré tout, la mincha, elle sera cachère à partir du moment où les composants essentiels s'y retrouvent. On va retrouver la semoule, on va retrouver l'huile, même si ça n'a pas été bien mélangé. Comme ça, apparemment, la Mishnah semble dire. En réalité, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on va tout de suite traduire la Mishnah, et puis après, je vous reprendrai la partie un peu plus compliquée, qui sont les deux premiers mots, en fait. Le Yatsak. Donc, l'itzok shemen, c'est verser de l'huile. Il y a un mot spécial en hébreu pour verser de l'huile, ça s'appelle être yotsek. On n'est pas chauffeur, on est yotsek. D'accord ? Le Yatsak, il n'a pas versé de l'huile. En réalité, on parle bien sûr qu'il a versé de l'huile, mais il n'a pas versé de l'huile après coup. Mais il a tout versé de l'huile auparavant. D'accord ? Il a mis l'huile avant de mettre la semoule, et même ça, c'est pas exact, comme on va expliquer ensuite. Le balal, il n'a pas pétri. C'est-à-dire, il a laissé l'huile mélangée à la semoule, en vrac, comme ça, et là-bas, il a ensuite prélevé le kometz. Au lieu de pétrir et en faire une sorte de pâte grasse, eh ben, il n'a même pas fait ça. Il l'a laissé tel quel. Ou encore le patate. Si c'était des petits pains qu'il fallait couper en petits morceaux, il les a pas coupés en petits morceaux. Il a laissé les pains intègres, il a planté ses doigts là-bas, il a arraché un petit bout pour faire le kometz, et il a laissé les pains de la mincha intégralement comme ça, entier. Le malach, il n'a pas mis le sel. Sur ça, je vous apporte aussi la précision du Barthé Noir. Il n'a pas mis le sel dans la mincha. Mais, c'est dans la mincha, une fois qu'on a mélangé l'huile avec la semoule, par exemple, il fallait d'abord jeter du sel et après ramasser l'échantillon. Lui, il n'a pas fait ça. Il n'a pas mis le sel. Il a prélevé l'échantillon, mais là, par contre, point important, l'échantillon qu'il a soulevé, le kometz, lui, il doit nécessairement être salé. Il faut lui rajouter du sel au moins après. S'il n'a pas mis de sel même sur l'échantillon, c'est pas soul. Mais si toutefois il a mis du sel sur l'échantillon, donc sur le kometz, sur la pincée, mais il n'a pas mis le sel dans la mincha, a posteriori, c'est quand même kasher. D'accord ? C'est expliqué dans le Barthé Noir. Le malach kol la mincha kula. Elle a un kometz. De lo mincha ta kometz ma keveti. D'accord ? C'est expliqué. Ça, c'était pour le malach. Le hénif, il n'a pas balancé. Donc une mincha qui était balançable, comme on a dit, mincha trottée, mincha de kenaot. Loïgish, il n'a pas présenté au coin Maravid Dromit, ou encore, ou bien qu'il en a fait des petits tim merubim, des morceaux nombreux. Nombreux, on a l'impression que. C'est, je dis tout de suite, le Barthé Noir, il le dit comme ça, il explique. Lui, le Barthé Noir, c'est qu'il a. Il explique pas qu'il a fait plein de petits bouts. On aurait pu croire qu'il a coupé plein de petits bouts, il a pris son pain qui était coupé en 4, il a coupé en 72. Non, ben le Barthé Noir explique pas comme ça. Il explique plutôt qu'il a coupé en 2, au lieu de couper en 4. C'est qu'il n'a pas fait, en fait, il en a fait, chez Ptatan Pitin Urobot, c'est qu'il en a fait des morceaux gros, énormes. Au lieu de le couper en 4, il les a coupés en 2 uniquement. Dans le Tiferet Israël, il rapporte que ça inclut les deux cas, en fait. Soit il a laissé des gros morceaux, soit il a fait des morceaux encore plus petits, qu'il les a coupés en tout petits morceaux. D'accord ? Même principe. En tout cas, dans tous ces cas de figure, Kshera, la mincha, c'est l'Omeshachan, j'ai sauté le mot. L'Omeshachan, c'est qu'il n'a pas enduit d'huile. Alors là, regardez dans le Barthé Noir, il explique qu'il parle des Rikikim. Les petits pains, justement, la Torah l'a expliqué, Rikikin, Meshuchin, Bachamen, qu'après cuisson, je me demande comment il faisait la cuisson, apparemment il fallait aussi rajouter de l'eau, je suppose, quoi. Et après cuisson, en tout cas, il les récupère, et là, il devait étaler l'huile, une fois comme en long, une fois en large, une fois en long, une fois en large, jusqu'à que ça absorbe toute l'huile. Il n'a pas fait ça. Il a pris l'ustensile, il a récupéré ses Rikikin, il les a coupés en petits morceaux, comme il fallait. Il a versé l'huile en vrac sans se mettre à l'étaler, comme il fallait. Et puis il a prélevé le comète, il a fait le comète sur le misbeach, donc il n'a pas étalé l'huile comme la Torah l'a prescrit. A posteriori, kshera la mincha, elle est kshera. D'accord ? Maintenant, je reviens en arrière sur la première phrase, sur les deux premiers mots, en fait, il avait marqué lo yatsak, c'est qu'il n'a pas versé l'huile, mais lo balal, et qu'il n'a pas pétri. Alors, précision. Lo balal, c'est qu'il n'a pas pétri du tout, c'est vrai. Mais yatsak, en réalité, a posteriori, c'est invalidé. L'oyatsak, ça peut être interprété tel quel, parce que si toutefois il n'a pas versé de l'huile, même au début et ensuite, le korban est invalidé. Et la mitra est invalidée. Il faut nécessairement interpréter l'oyatsak kohen et la zar. Comme ça, c'est la conclusion de la Gemara. C'est que, en réalité, la voda, c'est un peu comme dans les korbanot. Vous vous rappelez dans les korbanot, égorger l'animal, ça peut être fait par n'importe quelle personne, pas nécessairement un Kohen. Réceptionner le sang, ça doit être fait avec un Kohen. D'accord ? Il y a marqué toujours dans la Torah, « Veshachat oto al yerech ha-mizbeach, vezareku b'nei Aharon ha-kohanim et demo. » Il y a marqué, « Veshachat oto, il l'égorgera. » Qui ? On ne sait pas. « Vezareku b'nei Aharon ha-kohanim » et les Kohanim jetteront le sang, ils aspergeront le sang
Donc on apprend que la mitzvah de Kehuna commence à partir du moment où on va s'occuper du sang, de le réceptionner, d'aller le jeter. On ne veut plus la Kabbalah. Mais par contre, la Shrita, elle est Kshira Bezar. La Shrita, elle est permise avec un étranger qui n'est pas Kohen. Même principe pour la Mincha. Certes, il faut verser de l'huile, mais ça peut même être fait par un étranger. Parce que la mitzvah du Kohen, elle commence spécifiquement, il va falloir prélever le comète, l'échantillon. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut interpréter le Loyatsak dans le sens Loyatsak Kohen et la Zahar. C'est la conclusion du Bartanura. Regardez les derniers mots du long Bartanura là, de Loyatsak, l'Obal al-Kasher. La dernière phrase, c'est Omatinitin Achika Amar. La Mishnah, c'est comme ça qu'il faut la lire. Loyatsak Kohen et la Zahar. Le Kohen n'a pas été Yotsek, n'a pas versé l'huile, mais un étranger l'a fait. Oh, l'Obal al-Klal. Par contre, à propos de la suite de l'Obalal qui n'a pas pétri, c'est même si elle n'a pas pétri du tout, d'accord ? C'est la petite feinte. On a fini la première partie de la Mishnah, à présent on va parler d'une deuxième partie. D'abord, là, ça introduit assez agréablement, donc on a qu'à traduire directement pour le moment. Nit'arev kumtsa bekometz raverta. On parle qu'il y a deux kohanim qui se trouvent en ce moment. Donc deux kohanim, chacun s'occupe de faire la mincha, un la mincha de Reuven et l'autre la mincha de Shimon. Chacun il a prélevé l'échantillon, qui était déjà huilé, comme il fallait avec le sel et tout ça, il fallait le mettre dans un ustensile. Ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a mis dans un ustensile, où l'autre, il avait déjà mis là-bas le comète, aussi lui aussi l'échantillon de l'autre mincha, il avait déjà mis dedans. Donc les deux comètes se sont mélangés, ils se sont même, on va dire qu'ils sont collés, ils ont formé une seule entité maintenant. On ne sait pas qui est le comète de qui dans l'histoire. Rien de grave. Tu prends le tout, tu le montes sur le misbéar, tu fais brûler, tu as fait brûler les deux comètes, aucun problème. D'accord ? Ça, c'est la première partie, donc elle est simple. Nitarev kumtsa bekometz raverta. Saute un petit peu et lisez qu'à la fin, ça va être mis en facteur. Le mot kshira, ça sera bon sur tout. Pour le moment, c'est kashira, aucun problème. Idem encore, beminchat kohanim, beminchat kohanim mashiach, beminchat nesachim. Ou encore, ça a été mélangé avec une minchat kohanim, la mincha spécifique des kohanim, ou bien la mincha du kohen mashiach. Ou encore, la minchat nesachim. Alors, je me permets d'expliquer d'abord le minchat nesachim, comme ça, on clôt un sujet, après on ouvre l'autre. Minchat Nesachim, c'est Minchat Nesachim tout d'abord lorsqu'on apporte un korban. D'abord, le point commun de ces trois menachot, ce sont des menachot qui sont entièrement brûlées. Il y a trois cas de figure. Soit la mincha du Kohen Mashiach, tous les jours, le Kohen Gadol, qui a été Mashuach Beshana Mishra. Soit on parle d'une mincha d'un Kohen le jour où il va entrer en fonction. On va parler d'une minchat nesachim, qui est une mincha que l'on apporte pour accompagner, pour garnir un petit peu le korban. Soit, pour la plupart des korbanot que je dois apporter, ouais, alors la Torah me pose, elle me dit, quand tu apporteras le korban, ne te contente pas d'amener uniquement l'animal, amène aussi au Beth Amikdash un don une oblation avec ce qu'on appelle une minchat nesachim. Et amène aussi un don du vin même aussi, il fallait faire une oblation de vin pour la plupart des korbanot, c'est ce qu'on lit dans le korban de Rosh Chodesh, Veniskehen, Chassiaïn, Urvitaïn, Laïl, je ne sais plus, d'accord, comme on lit dans le Moussaf de Rosh Chodesh. D'accord, Veniskehen qui va porter un Neser, une oblation supplémentaire, un don en plus du korban, et lorsqu'on apporte un korban, c'est pour quasiment tous les korbanot. D'accord. Ça c'est pour le Minchat Neserim maintenant. Pour la Minchat Kohanim et Minchat Kohen Mashiach, alors, n'importe quel Kohen, en réalité, je me suis un petit peu trompé. J'ai fait une petite erreur. C'est, d'abord, Minchat Kohen Mashiach, c'est tous les jours, le Kohen Gadol, lorsqu'il a une mitzvah d'apporter une mincha particulière, ce qu'on appelle les Chavitin, Chavitei Kohen Gadol, et il doit apporter la moitié de il laisse, même s'il n'était pas présent dans les Amikdash, il laisse son argent et son blé, sa farine, sa soumoule, au Beth Amikdash, et le Kohanim tous les jours apporte un korban, une oblation spéciale. C'est ce qu'on appelle les chavitin quand on lit la braïta de Abaye, Adam Seder Seder, Amar Hamish Madimara. Là-bas, on parle des chavitin, c'est les chavitei Kohen Gadol. Ok ? Ça, c'est pour les Minchat Kohen Mashiach. Maintenant, Minchat Kohanim, je me suis un peu trompé tout à l'heure, je dis que lorsque le Kohen il rentre en fonction, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Et à part ça, tout Kohen qui va vouloir apporter une Mincha, lorsqu'un Israël, moi, si je veux apporter une mincha, je ne suis pas Kohen, j'apporte une mincha, le Kohen soulève l'échantillon, l'offre, et puis les Kohen mangent le reste. Et bien un Kohen qui va porter la même mincha que moi, lui, sa mincha, elle va être entièrement brûlée. D'accord ? Alors maintenant, on revient maintenant sur notre Mishnah. Notre Mishnah, on en parlait que mon Kometz, j'ai prélevé le Kometz, seulement il s'est mélangé ailleurs,
Donc quelque chose qui doit de toute façon être brûlé. C'est le principe de la Mishnah. Et la Mishnah me dit, ben, dans tous les cas, c'est kasher. Quatre cas de figure évoqués. Soit ça s'est mélangé avec un autre kometz, une autre pincée d'une autre mincha, d'une autre oblation. Ça s'est mélangé ensemble, ça s'est collé. Malgré tout, la Mishnah me dit, ben, tu prends les deux, tu les jettes au feu. Idem aussi, si ça s'est mélangé avec une mincha de Kohen. D'accord ? C'est quoi une mincha de Kohen ? Donc, retenez plutôt la deuxième solution, c'est beaucoup mieux. Ça parle que de ça réellement. La Mishnah ici. Mincha de Kohanim, on parle dans toute mincha qu'un Kohen va apporter, c'est exactement la même chose que l'Israël, sauf qu'elle, elle doit être entièrement brûlée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mélangé mon kometz dans cette mincha intégralement, bah rien de grave, tout doit être brûlé, tu brûles tout. Alors la Mishnah maintenant, elle continue, elle me dit, bah tu sais, c'est la même chose aussi, si ça s'est mélangé avec une mincha de Kohen Mashiach, avec la mincha particulière que le Kohen Gadol devait apporter tous les jours, ou bien la mincha de Nesachim. Quel est l'intérêt de le préciser, ça ? Eh bien, il faut continuer la Mishnah pour comprendre de quoi on parle. Rabbi Yehuda Omer, Bemintrat Kohen Mashiach, ou Bemintrat Nesachim, Psula. Si le kometz, l'échantillon que j'ai prélevé de la Mincha, s'est mélangé avec la Mincha du Kohen Mashiach, avec les Chavite Kohen Gadol, ou avec la Mincha Nesachim, la Mincha particulière qu'on apporte pour agrémenter le Korban, la Mincha Nesachim donc, eh bien, dans ces quatre figures, Psula. Le korban il sera invalidé, la mincha sera invalidée, le kometz sera invalidé. C'est-à-dire, mon kometz, il s'est perdu, il s'est foulé dans la masse. On va tout expliquer, d'abord je finis la Mishnah une première fois. Et la Mishnah me donne la raison. Chez Oblilatan, Ava, car pour elle, sa blila, sa pâte pétrie, elle est Ava, elle est épaisse. Vezo, Blilata, Aka. Tandis que l'autre, sa blila, la qualité, la consistance de la pâte, elle est molle. Vehen bolot zo miso. Et l'une absorbe de l'autre. Et j'explique tout de suite de quoi on parle. C'est très simple. C'est un problème de coefficient. Lorsque je dois porter une mincha, vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on doit porter pour un isaron, donc 7,2 log. Il faut apporter un log d'huile. D'accord ? C'est le rapport. Pour 7,2, une dose d'huile. Ça, c'est pour toutes les menachot, à deux exceptions, qui sont la minchat chavite kohen gadol et la minchat nesachim. Où là, dans ces deux cas de figure, la Torah a insisté que je mette trois logs d'huile. C'est presque de la moitié, c'est la moitié de l'huile, en fait. C'est-à-dire, pour trois doses, 7,2. D'accord ? Donc, on va se retrouver avec une pâte qui est complètement molle, une pâte liquide, style le sphinx marocain, comme ça, la pâte un peu toute molle, comme ça, qui est un peu travaillable, mais qui est très très mollasse, d'accord ? C'est comme ça, ça donnait un peu l'allure qu'elle avait, la contexture qu'elle avait, cette mincha, qui est la mincha, donc Chavite Kohen Gadol, et la mincha Nesachim, elle était très molle. La Torah insistait à me changer les coefficients. On parle de quoi maintenant dans le Mishnah ? On parle que, lorsque j'ai voulu amener ma mincha, le Kohen il a pris un kometz, d'une mincha classique, donc qui était à concentration 1 pour 7,2, il a mélangé avec, il a pas fait attention, il a mélangé dans une autre mincha, ou peu importe pourquoi il en est arrivé là, mais en tout cas, il a mélangé dans une autre mincha, où là-bas il y avait une grande dose de pâte, très molle, mélangée à plein d'huile, et le kometz s'est mélangé dedans. Donc il s'est un peu perdu dans la masse. Rabbi Yehuda vient me dire, ben là il y a un problème. Il y a un problème, c'est que le kometz s'est perdu, et peut-être même aussi le cas inverse, c'est-à-dire que la mincha a perdu un peu sa contexture aussi, comme ce qu'on va expliquer tout de suite dans 30 secondes. Mais d'abord, on explique d'abord le cas le plus simple, l'angle de vue le plus simple, d'expliquer que le kometz s'est perdu. Le kometz, lui, j'avais prélevé l'échantillon. Il était à concentration d'une pâte épaisse, que j'ai mélangé ensuite dans l'autre, et que ensuite ça s'est bien mélangé au point où on ne retrouve plus. Et bien, ce qui se passe, c'est que lui, il s'est perdu complètement dans la masse. Il a perdu sa contexture et il a, pire que ça, il a changé sa concentration. Il a absorbé tellement d'huile que maintenant il a perdu lui-même tout son être. Quoi. Il s'est perdu complètement, d'accord ? De ce fait, le kometz, il a été invalidé. Premièrement. Dans le cas inverse aussi, alors là maintenant, ça rentre dans la complexité, c'est pour ça qu'il y a un très très long Sotium Tov qui explique, qui fait une petite synthèse de la Gemara, qui discute beaucoup. Il y a un problème avec Rashi qui s'est un peu contredit. Ça dépend en fait de deux versions de Rashi qu'il y a dans la Gemara. Succinctement,
Très très brièvement, quoi, le principe est très simple. La question elle est de savoir, est-ce que, bon, tu m'as dit que le comète, il a été invalidé, il s'est perdu dans la masse. Mais est-ce que aussi la mincha elle-même, la mincha de Nessachim, est-ce qu'elle-même aussi, elle s'est perdue? Pourquoi? Étant donné que maintenant la concentration, sa concentration aussi, elle a changé. Il s'avère que maintenant, tu m'as rajouté, ouais, problème de physique très simple. Il y avait 7 doses de farine, 7 kilos de farine mélangées avec 1 litre d'eau, et après j'ai pris 7 kilos de farine mélangées avec 3 litres d'eau. Je les ai mélangées. Et bien il s'avère que maintenant, même ce qui devait être la pâte molle, elle est devenue épaisse, autant que la pâte épaisse, elle est devenue plus molle. Ça a formé une seule entité homogène, qui est maintenant quelque chose qui est un peu entre les deux. Réellement, il va y avoir du 14 pour 4. Donc 14 pour 4, c'est plus la même concentration ni de 7 pour 3 ou 7 pour 1. C'est devenu quelque chose d'un peu intermédiaire. 14 pour 4. D'accord? Donc on a changé la contexture de tout le monde. De ce fait, Rashi, dans la deuxième version, c'est ce que le Bartanora, le Tosfot Yom Tov, rallonge énormément justement pour discuter de Bartanora, en lui disant, finalement, d'après Rabbi Yehuda, tout s'est perdu. S'il va prendre maintenant tout ce mélange avec le Kometz qui est mélangé avec la Minchat Nessachim ou la Minchat Kohen Gadol, qui va prendre le tout, qui va le jeter au feu sur le Mizbeach, eh ben, il se sera acquitté d'aucune des deux mitzvot, étant donné que la concentration de chacun, elle a changé. La Torah insiste à me donner une consistance particulière pour les pâtes, pour une Mincha classique et pour la Minchat Nessachim. Et ce qui se passe, c'est que là, dans ce mélange que tu as fait, tu as perdu les deux. Donc les deux sont devenus invalidés. Le Bartanura lui-même, il avait il est parti sur la première version de Rashi, où justement il expliquait, ah c'est trop, ça rentre trop dans les détails, quoi. On va pas trop rentrer en détails, mais moi j'ai peur de dire, m'avancer, de dire des choses pas exactes, tandis que c'est un sujet que je connais pas assez. D'accord? Donc, il explique en tout cas dans la première partie, le Bartanura, il explique que non, spécialement pour la petite dose du comète, alors lui il s'est perdu dans la masse, tandis que que la mincha elle-même, elle s'est pas perdue, d'accord? C'est un peu le principe qui en découle. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Aslacha Kol Tov, Salam.